Précis, euh, très intéressant, puisque vous dites que De Gaulle, oui, s'intéressait à l'économie et pas seulement sous l'angle, on va dire, étatiste. Mais d'abord, Jean Castex, ce matin, dans Les Échos, euh, donne une interview euh, avec des propositions pour faciliter les embauches. Euh, et il insiste pour que les branches professionnelles augmentent les salaires. Il dit textuellement L'État fait son boulot, mais il ne peut pas tout faire. Ça fait des semaines que le gouvernement vous met l'impression, vous. Les patrons, qu'est-ce que vous attendez bon, d'abord les salaires ont augmenté. Euh, on ne dit pas assez, mais depuis plusieurs années, les salaires augmentent plus vite que la productivité, plus vite que l'inflation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes de salaires dans certaines branches, notamment dans les métiers de service. Mais je pense que le niveau de la branche n'est pas forcément le plus pertinent. Si vous prenez par exemple l'hôtellerie, ouais. vous avez des hôtels qui se portent pas trop mal, notamment euh, la, la façade Atlantique, parce que l'été était bon. Mais si vous êtes à Paris, où il n'y a toujours pas de touristes étrangers, euh, malheureusement, la situation est très difficile. Donc, cette vision un peu euh, nationale de l'économie euh, depuis Paris ne me paraît pas pertinente. C'est dans les entreprises que ça peut se jouer. Donc, Alors, le, pardon, euh, le, le fait que Jean Castex insiste pour que ce mais soit. Mais il peut insister tant qu'il veut. Il peut insister tant qu'il veut. D'abord, il y a la liberté du dialogue social. Et pour négocier un accord, il, il faut être deux. Donc, je pense que c'est plutôt dans les entreprises que ça se passe. Parce qu'effectivement, dans ces métiers-là, il y a des difficultés de recrutement. Et de toute façon, euh, j'ai envie de dire à Jean Castex, vous savez, la loi de l'offre à de la demande, elle marche dans les deux sens. Oui. Et quand il y a des problèmes de recrutement, alors il n'y a pas que le salaire. Hein, il faut penser aux conditions de travail. C'est vrai que les horaires sont compliqués. Enfin, je ne fais pas toute la description de ce qui euh, pose problème pour recruter. Mais euh, quand il y a des difficultés de recrutement, ben, à un moment ou à un autre, les salaires augmentent. En, en région parisienne, où c'est mmh. difficile de vivre avec des salaires à cause du coût du logement, les salaires en restauration ont déjà augmenté. Oui, mais... Vous dites quoi, en gros Que, que finalement, les patrons euh, euh, qui doivent euh, supporter toutes ces difficultés en ce moment, pénurie de matériaux, pénurie d'embauche de, et de bras, etc., ils en ont assez que le gouvernement leur dise d'augmenter les salaires Je vais m'engager sur la pénurie de bras, parce que je trouve ce, ce mot inévitable. Ah, vous n'avez pas, vous avez, ouais, ouais, n pas je, tort, je, mais. J'avais est... un côté marchand ouais. d'esclaves. Bon, mais vous n'êtes pas la seule non, à l'employer. Mais bon, je ferme pénurie. cette petite parenthèse. Pénurie de pénurie personnelle oui ou de, ou de cerveau on pourrait dire parce que les heureusement cerveau. tout le monde les se sert de son cerveau. Les cerveaux, ouais. voilà, de recrutement. Euh, oui donc pour répondre à votre question. Est-ce euh, qu'ils en je... ont assez que le gouvernement leur répète non, régulièrement qu'ils ont dû négocier on augmenter les salaires On n'est pas dupes du fait que dans sept mois où, oui c'est sept mois oui. il y a une élection présidentielle donc Bon, Bruno Le Maire, Jean Castex sont dans le rôle en disant euh, « Regardez-nous, on a fait le, le boulot, c'est au patron d'augmenter les salaires ». C'est un grand classique pré-présidentiel. Enfin, c'est vous-même qui avez, pardon, embrayé de fin août et qui avez dit « les salaires, c'est un sujet ». Non, 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 non c'est, pardon, j'ai répondu à Monsieur Le Maire qui nous avait mmh. dit « Vous vous souvenez, juste avant l'université d'été, il faut augmenter les salaires ». Est-ce que vous avez une évaluation du nombre de, par exemple, de restaurants, hôtels, etc., qui doivent fermer qui ont dû fermer parce que précisément, ils ne trouvent pas de personnel. Une bonne question, non. Euh, c'est pour ça, hein, d'ailleurs, que ce n'est pas qu'un problème de salaire, encore une fois. Il y a eu, et c'est très difficile à évaluer, une prise de conscience d'un certain nombre mmh. de gens dans ces branches-là qui voulaient faire autre chose. Vous savez, on a parlé des salariés disparus, bon, l'expression n'est oui. pas non plus complètement euh, pertinente, mais c'est des gens qui ont décidé de changer de métier. Et donc, ça pose des problèmes, du coup, en amont de formation, comment on fait re-rentrer des gens, des apprentis notamment, oui. dans cette filière. Pénurie d'envie d'ailleurs. Est-ce que c'est une formule que vous reprendriez pour le coup à votre compte Il y aurait une pénurie d'envie parce que c'est vrai que par exemple un père de famille qui est payé au SMIC pour travailler tous les soirs dans un restaurant, à un moment il se dit c'est pas une vie. Non mais je, je bien sûr pénurie d'envie ça oui. mais faut oublier un point très important dans la restauration 80 du coût, enfin du prix final, c'est les salaires. Donc si on augmente les salaires, les salaires, je pense, dans la restauration augmenteront. C'est la carte qui va augmenter, ou le menu si vous voulez. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que augmentation de salaire, c'est augmentation des prix. Et c'est vrai en B2C, enfin dans la restauration, c'est vrai aussi en B2B. C'est pour ça que... C'est-à-dire quand vous employez ici chez TF 1 euh, bah, l'emprise de nettoyage ou de gardiennage hein, qui viennent mmh. nettoyer, bah, les appels d'offres aujourd'hui, c'est 100% sur le prix. Demain, il faudra peut-être introduire une autre notion. C'est vrai pour les grandes prises, c'est vrai aussi mmh. pour l'État. Euh, juste encore un mot, j'insiste sur l'interview de Jean Castex, parce que, comme d'ailleurs Elisabeth Borne, ils insistent sur toutes ces euh, entreprises qui payent moins que le SMIC, ou les minima sont non, non, fixés pardon, en dessous Il n'y a pas d'entreprise qui paye moins que le SMIC. C'est les minima. C'est les minima de branche. Voilà. Mais comme ces minima de branche sont rattrapés par le SMIC, c'est très théorique, puisque le SMIC, évidemment, s'impose à tout le monde. Quel effort êtes-vous prêt à faire D'abord, il si, faut poser la question patron de branche. Ouais. Moi, je ne suis pas le vous patron. Avez, vous avez votre je sais point. que l'expression c'est le patron des patrons, mais je, je ne peux que les encourager. Mais le deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est que ce n'est pas au niveau de la branche que ça doit se discuter. C'est dans l'entreprise. Euh, mais mais c'est un grand vous classique. Vous pensez que les salariés, euh, aujourd'hui, ils sont en rapport de force parce que précisément... Mais précisément, ce qui est ouais. difficile de recrutement. Ouais. Oui, mais justement. C'est pour ça que je vous dis, la, marche, la loi de l'offre allemande, elle se, elle se goupille dans les deux sens. 300 000 emplois euh, seraient non pourvus d'après Pôle emploi. C'est une estimation qui veux dire, vous ne sait pas ce chiffre réaliste ou en fait c'est encore plus Non, je pense que c'est sous-estimé parce qu'il y a beaucoup d'autocensure de recrutement. C'est-à-dire beaucoup de patrons, de petites boîtes qui disent, de toute façon je ne pas trouvé donc je ne ouais. recrute pas. Ce on chiffre de 300 000, plus. il a 20 ans. Ça, il, il tourne chez Pôle Emploi ou autrefois la NPE. Je pense qu'on ne sait pas. Certains disent que ça peut aller jusqu'à 600 000 en ce moment. Je, euh, moi, je ne vais pas vous donner de chiffre parce que... C'est plus que je, 300 000, je, je pense que c'est plus que 300 000. C'est effectivement concentré. Dans certains secteurs que vous évoquez, mais moi j'étais très verbé. Et toute la semaine dernière, j'ai tourné dans un certain nombre de MEDEF territoriaux. J'étais en Dordogne, j'étais en Touraine, j'étais en Bretagne. Je ne, rec... Je ne voyais pas un patron qui n'avait mmh. pas de problème de recrutement. Et ce n'est pas juste un problème de salaire, parce que c'était des, 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 des secteurs très très différents. J'étais une entreprise agroalimentaire, les gens étaient payés 1700 euros net, plus intéressement, plus participation, 50 CDI à mmh. pourvoir à côté de Périgueux. Ils n'arrivent pas à recruter. Donc, c'est plus général ouais. que ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui. Mais qu'est-ce après... que vous demandez alors, vous Est-ce ah, que là, euh... il y a des problèmes d'urgence Non, non, bien sûr. Alors, attendez, soyons réalistes. Hein, c'est un problème, j'allais dire presque un problème de riche. C'est-à-dire que c'est une perte d'opportunité de croissance. Ces entreprises-là, mmh. elles se portent eh bien. Oui. Hein. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est en crise. Euh, et donc, euh, je pense que le, le point, il est global il est un problème de formation. Mmh. Là, le on gouvernement a... fait son boulot, il rajoute 1,4 milliard pour la formation. Oui, alors c'est la formation oui, oui. des chômeurs de longue durée, mais c'est plus large que ça. C'est les rapports entre l'université et euh, mmh. la formation les générale et euh, l'entreprise. On forme beaucoup de gens dans des métiers qui ne sont peut-être pas demandés et inversement dans les métiers demandés. Il y a des problèmes sur l'assurance chômage. Il y a problème de mobilité. Mmh. Euh, la France, c'est le pays où on bouge le moins, on déménage le moins, 25 km pour changer ouais. d'emploi. Et ça, alors c'est très structurel, c'est de long terme, c'est pas nouveau en réalité. Geoffroy Haute-Bézieux, euh, vous président de la République, ça se posera ça, pas. Mais ça se posera et, pas, je vous, le confirme. Euh, vous euh, la première mesure que vous prenez face à ce problème, c'est lequel Parce que... Le problème de, de recrutement. Alors malheureusement, je sais que vous aimez bien une mesure, euh, mais il n'y a pas une mesure, c'est multifactoriel ouais. et donc il y a multi-réponses. Euh, Emmanuel Macron annoncerait. La défiscalisation des pouvoirs dans l'hôtellerie, la condition payée par les une cartes une Très bonne idée que le Medef a demandé avant l'été. Pourquoi Alors d'abord, d'abord, je ne sais pas si vous le savez, quand vous laissez 10 euros ou 5 euros en cash à, dans euh, un restaurant, normalement, normalement, il est censé le déclarer au fisc. Ouais. Je pense que dans 99,9% ouais. des cas, ce n'est pas le cas. Mmh. Là, et oui, et c'est normal. Mmh. Donc la première chose, c'est de mettre en raccord la loi et la pratique. Mais l'autre point, c'est que de plus en plus, les gens n'ont pas de cash, payent en carte, ça va dans le logiciel du restaurateur, et donc là, évidemment, il y a un sujet. Je pense que c'est une bonne idée d'encourager les clients à récompenser le ben service. Vous payez, vous payez la note et vous rajoutez 10 euros de surcoût. Ça, ça, ça va se fondre dans la note. Effectivement, oui, c'est compliqué. De non, non, c'est pas goût. compliqué. Il suffit que dans le logiciel, il y ait, euh, ça existe aux États-Unis depuis des années. Donc c'est une très à bonne idée. À l'américaine, d'accord. C'est très simple. Ça récompense le service. Et je pense que c'est une bonne idée. Rétablir les heures sub fiscalisés. Oui, mais ça résout pas le problème d'embauche. C'est une bonne idée. Ça a très bien marché sous Sarkozy. Euh, mmh. Ça permet de faire de l'activité supplémentaire. C'est d'attractivité l'attractivité quand même aussi pour les ouais, employés. Oui, mais je ne pense pas que les gens ne rentrent pas en euh, ou ouais. restauration parce que les heures ne sont pas défiscalisées. Donc c'est une bonne mesure qu'on avait réclamée aussi. Je ne crois pas qu'elle soit dans le tuyau, sauf si vous avez l'information que je n'ai pas. Vous le regrettez Oui, Oui, je pense que c'est une bonne idée. Euh, Thierry Breton, hier euh, sur LCI, euh, déplore le partage insuffisant des richesses. Lui aussi, il le dit, c'est aux entreprises de le faire. L'intéressement, la participation, c'est beau, tout le monde le dit, Bruno le maire, lui, il faut le faire davantage. Mais il y a plein de, de salariés qui n'y ont pas droit. Madame Martijou, quel est le pays au monde qui a le plus de pourcentage d'actionnaires salariés La bien. France. Hum. Quel est le pays au monde où il existe intéressement et participation qui couvre plus de 50% oui. des salariés La France. Oui. Alors, on peut faire mieux, mais Thierry Breton devrait regarder les autres pays d'Europe qui, eux, n'ont pas système de partage. Qu'on puisse faire mieux, bien sûr. Mais n'oubliez pas mmh. que depuis 20 ans, qu'est-ce qui a pris sa part du gâteau dans l'intéressement et mmh. la participation Qui a augmenté. Hein à chaque fois, c'est l'État, puisqu'ils ont mis en place, enfin l'État, pas ce gouvernement d'ailleurs, mmh. mis en place un forfait social à 20% qui taxe intéressement et participation, qui taxe l'entreprise et le salarié. Donc oui, on peut faire mieux. Moi, je suis favorable à pousser l'intéressement la participation dans les moins de 50, parce qu'en fait, le, le trou, si je veux dire, c'est dans les moins de 50. Il faut que l'État fasse un effort fiscal pour encourager les entrepreneurs. C'est noté. Euh, un mot du coup, de théâtre politique au Royaume-Uni, quand même, Geoffroy Roude-Bézieux. C'est quand même très intéressant. Contrairement à tout ce qu'il avait défendu auparavant, Boris Johnson a décidé de rouvrir les vannes de l'immigration. Il débloque 10 500 euh, visas, justement, parce qu'il est confronté à une pénurie d'emplois dramatique. Euh, il n'y a plus d'approvisionnement dans les stations-service. Bah, c'est la panique. Euh, l'immigration, c'est une solution. Alors, juste avant ça, oui. d'abord. Je ne peux pas m'empêcher un petit sourire ironique mm. euh, sur le Brexit. On nous avait promis que c'était formidable, ça résoudrait tous les problèmes. On voyait bien que ça en crée plus que ça résout. Et d'ailleurs, les salaires des chauffeurs routiers en Angleterre ont augmenté de plus de 15%. Donc quand je parlais de loi de l'offre et de la demande, c'est exactement l'illustration. Après, oui, euh, sur le long terme, la population européenne vieillit. Euh, en l'occurrence, c'est l'immigration d'Europe de l'Est hein, mm. qui qu le... Qui l'autorise enfin, dans les, dans les lui, visas, hein. enfin, oui. des, je crois que c'est des chauffeurs routiers. Donc euh, c'est un débat qui a une dimension euh, politique qui n'est pas la mienne, mais aussi une dimension économique. Si on se projette à 20 ans, on aura besoin d'une immigration choisie économique pour assurer euh, le, finalement le financement de notre mmh. protection sociale. Vous trouvez que le débat est bien posé en ce moment dans le, dé non. Dans le débat public Non. Mais je pense que vu la question que vous me posez, la réponse est évidente. Oui, on ne voit que l'aspect qui est important euh, intégration. Euh, Respect des valeurs républicaines, ça n'est pas mon sujet, en tout cas en tant que président du MEDEF, mais il y a aussi un aspect économique. On a un système social très généreux qui a besoin de beaucoup de travail pour le payer, beaucoup de cotisations sociales, et on sait bien que démographiquement, alors nous, la France, finalement on est presque mieux lotis que le reste de l'Europe. Mais l'Allemagne, on parlera peut-être de l'Allemagne, a un énorme problème démographique devant eux. Mais à force d'agiter le chiffon rouge sur les risques de l'immigration, est-ce qu'on compromet les chances économiques de la France pour être clair On n'en est pas là. Euh, simplement, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que s'il y a un moyen d'intégrer euh, des populations de cultures différentes et d'origines différentes, c'est l'entreprise. On sait très bien que quand quelqu'un travaille, quand il paye ses impôts et ses cotisations sociales, il s'intègre naturellement dans la citoyenneté. Il faudrait plus de visas de travail ah, Moi, je ne suis pas opposé à un débat sur des quotas un peu à l'américaine. Mais ce n'est pas du tout la manière dont le débat est orienté aujourd'hui. Euh, la réforme de l'assurance chômage, elle arrive le 1er octobre. Je crois qu'elle sera euh, entièrement appliquée 1er en décembre. décembre. Euh, ça va ramener des chômeurs dans l'emploi Et si oui, euh, est-ce que vous le chiffrez Non. Enfin, oui et non. Ouais. Donc, oui, ça va ramener ouais. des... Des gens, Il y a, et encore une fois, je pas les chômeurs parce que c'est le système qui les pousse à ça, des gens qui ne sont pas incités à reprendre un emploi parce que le revenu qu'ils touchent euh, en étant euh, au chômage, sur les périodes, vous savez, 4 mois, 4 mois, est pratiquement aussi élevé que ce qui touche dans l'emploi. Euh, et euh, est-ce que je suis capable de le gifrer Non. Non, mais non parce vous que... J'en espérais un gain rapide ah bah, rapide, oui, puisque ça va être mis mmh. en place 1er octobre et sera certainement une incitation. Je pense notamment dans les métiers de service, oui, mais je ne suis pas capable de vous donner de chiffres. Et comprenez, les syndicats sont tous contre, y compris la CFDT avec laquelle parfois vous établissez des ponts. Oui, mais c'est leur job. — Ils font une grève mardi prochain. Ils sont ça. dans leur rôle, si vous voulez. Donc, ah ben. euh... vous, vous validez donc. Non, je valide, je, je valide ce, rien du tout. C'est quoi ce Vous dites c'est un positionnement C'est un une posture C'est un un ouais. une posture Oui, c'est une posture. Ça n'est pas fondé pour vous, ça ne. Non, il y, a... y a très nombreuses études qui ont démontré que ouais, dans certains cas, toucher plus d'argent, enfin ou ouais. autant d'argent. Vous l'avez réclamé cette. Euh, Tout cette à fait. Réforme. Vous êtes pour ou contre le revenu d'engagement Ben, je suis, je suis va... ni pour ni contre parce que je ne sais pas ce que c'est. Sur le principe euh, d'abord. Mais non, mais le principe payer quelqu'un entre guillemets, enfin rémunérer quelqu'un si c'est il y a pas de. de, de Comment dire, de prestations, de contrepartie, j'y suis philosophiquement contre. Après, le gouvernement nous parle d'un contrat d'engagement, mais sans nous dire ce qu'est. Et on n'a pas été ni reçu, ni consulté. Ouais. Donc je ne sais, sais pas vous répondre. En tout cas, euh, il est accusé, Emmanuel Macron, de cramer la caisse. C'est l'expression euh, euh, Flores. Enfin bref, elle vient de Valérie Pécresse, sauf erreur. Euh, il annonce effectivement, par exemple, le revenu d'engagement et d'autres mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Euh, il crame la caisse en tout cas, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut, euh, faut pas que le quoi qu'il en coûte se transforme en quoi qu'il en coûtisme, si j'ose dire. <laughs> C'est-à-dire, il euh, faut, faut se rappeler quand même, parce qu'on nous dit, oui, mais alors vous avez bénéficié de la politique de l'État, maintenant vous dites, il faut faire attention. Mais la réalité, c'est qu'on a fermé les entreprises, en tout cas certaines entreprises, il était légitime qu'on les aide à passer cette période. Maintenant, il faut revenir aux fondamentaux, se rendre compte que la France est endettée, fortement endettée. Que la dette s'est accrue, qu'on n'était pas dans la même position que les Allemands au départ, et que il faut revenir à une certaine forme d'orthodoxie budgétaire. Voilà. Ça, c'est pour le budget, d'accord. Vous avez ensuite les candidats de l'opposition qui aussi annoncent des augmentations de salaires, une grande générosité. Vous dites... Euh... Je le dis pour tout le monde, que ce ouais. soit dans l'opposition ou dans la majorité. Euh, on crée pas de... Il la... n'y a pas d'argent magique. On n'est pas là pour promettre ce qui n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Tomber dans l'excès inverse. En 2009, on avait fait un plan de rigueur ouais. qui s'est révélé Après négatif. 2008, ouais. Mais il faut revenir à une gestion budgétaire saine et équilibrée. Donc vous le dites à tout le monde dans cette Bien campagne, sûr. il, euh, il faut raison garder, il ne faut Je pas dépenser dis sans compter. Je à M. Bertrand, à Mme Pécresse et à M. Macron. Et à M. Zemmour Et à M. Zemmour, oui, dont on n'a pas beaucoup, beaucoup pas entendu les propositions euh, économiques. Mais vous, mais vous les attendez. Euh, L'intendance suivra, Geoffroy Roux de Bézieux euh, chez Robert Laffont. Euh, bon. Comme on dit, euh, qu'aurait dit Général de Gaulle euh, dans l'affaire des contrats annulés euh, américano-australo-britanniques Écoutez, il aurait dit euh, Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ouais. Euh, c'est une citation, c'est ce qu'il a dit, donc je peux le mmh. citer sans, sans, mmh. sans l'inventer. Euh, L'addition de l'Australie, au fond, euh, on peut la comprendre. Ils ont les Chinois en face ils se disent si les Chinois nous attaquent, qui va nous aider, les Français ou les Américains Ils choisissent les Américains. Après, il y a deux problèmes il y a le problème de forme. Où on ne casse pas un contrat avec des alliés de cette manière-là. Et puis il y a un problème de fond c'est comment les Européens, qui sont maintenant en partie un peu négligeables pour les Américains, euh, créent une vraie défense européenne. Et comment, au fond, cet atlantisme qu'a toute l'Europe du Nord, qui continue à vouloir se, se, comment dire, se faire protéger par les États-Unis, on, on arrive à les convaincre que ce n'est pas la solution de long terme. On se retrouve dans un golien. Euh, au fond, c'est une sorte de nouvelle guerre froide très différente de la précédente, mmh. sauf que l'URSS a été remplacée par la Chine. Et notre bouclier, c'est l'Europe Plus d'Europe notre, notre bouclier, c'est d'abord l'autonomie de la France. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même un pays qui a une défense qui mmh. tient la route, qui a l'arme nucléaire qu'elle construit entièrement. N'oubliez pas que les, les Anglais dépendent des États-Unis pour leurs sous-marins nucléaires. Après, comment on convainc les Allemands, essentiellement euh, de changer au fond d'équilibre dans leur partenariat. Il ne s'agit pas de renier les Américains, on a les mêmes valeurs, mais de trouver un nouvel équilibre. Euh, on parlait d'Eric Zemmour, il sera ce soir sur LCI face à François Langlais, donc vous qui disiez on ne sait pas encore ce qu'il présente pour l'économie, on en saura plus ce soir grâce à, à, à LCI. Euh, il a, à propos du gaullisme, hier il a dit que les LR avaient trahi le, le général de Gaulle. Je veux dire, j'ai écrit ce livre, euh, non pas pour réinterpréter la pensée de De Gaulle, parce que je trouve, c'est d'ailleurs ce qui m'a frappé pendant la pandémie, tout le monde est gaulliste ouais. euh, et tout le monde se proclame l'héritier de De Gaulle, Zemmour euh, comme les autres. Euh, donc moi, je ne sais pas qui a trahi quoi. Euh, je ne sais pas ce que De Gaulle aurait fait euh, aujourd'hui. Le monde est très différent. Il y a quelques principes euh, qui restent vrais. Et au fond, ce que je montre dans ce livre, c'est plus que De Gaulle n'était ni anti-libéral, contrairement à sa légende, ni anti-européen contrairement à une autre légende. Quant à savoir si les LR ont trahi De Gaulle, ce n'est pas le jugement que je ferais. Mais ce n'est pas le jugement que vous feriez, et vous dites, personne aujourd'hui ne peut confisquer De Gaulle, Exactement. son héritage politique Mais et pas économique. Pas plus moi qu'un autre d'ailleurs. Et pas plus Zemmour que les autres. Et pas plus Zemmour que les autres. Merci beaucoup, Geoffroy Roux-de-Bézieux, d'avoir été ce matin sur le plateau Merci de à vous. LCI. Bon.